On est de retour, toutes mes fashion lovers, c'est 2022 et là j'ai un unboxing de rêve pour vous. On va faire ça ensemble. Je vais vous faire découvrir toutes les nouveautés pour cette saison. Ce sont tous les produits que j'ai reçus depuis septembre jusqu'à décembre. Donc ce sont des produits de rêve. Principalement, on a Sephora, Drunk Elephant. On a aussi Givenchy Beauty parce qu'il n'y a pas que les maquillages mais les skincare que je vais vous faire découvrir. C'est une partie de la marque que moi je ne connaissais pas. Et sincèrement, je suis étonnée des résultats. La marque, elle est hyper pointue et je suis très contente de vous partager ça avec vous. Donc, mes beautés, alors si vous êtes dans la, vraiment dans la beauté comme moi je suis, je pense que c'est hyper important pour une femme. Je l'ai toujours répété, je vais le continuer à dire, une femme, elle ne doit jamais se laisser aussi oublier. Une femme, au-delà de ce qu'elle porte, il faut toujours qu'elle soit vraiment nickel au niveau de la peau, les cheveux, le corps et bien sûr la santé. Donc on va commencer avec Clarence. Elle a vraiment la gamme pour tous les âges. Là j'ai reçu un coffre de Noël. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Eau dynamisante, voilà. Et aussi on a un petit bougie pour un moment détente. Merci Clarence, c'est très sympa. Ensuite, on passe à Givenchy. Le produit et le marketing il est toujours impeccable. J'ai reçu une boîte énorme et je ne l'ai pas ouvert. Donc, c'est la première fois que je vais l'ouvrir ici avec vous. Donc, voilà, une petite boîte. Plein, rempli de produits. Pas que ça, elle est personnalisée avec mon prénom, Patricia Gloria. S'il vous plaît, regardez ça. Est-ce que Givenchy, il m'aime ou pas? J'adore Givenchy et voilà, ce sont les petites choses qui te font vraiment, au moins pour mon métier, de recevoir ce type de cadeaux, c'est vraiment que fait toute la différence. Je suis flattée, vraiment. Ensuite, on a Accord de Givenchy. On a une petite gamme de rouges à lèvres. Elle est trop mignonne. Oh my god, j'adore. Vraiment. Alors, je vais vous dire quelque chose. Dès que je pars à Givenchy sur les lèvres, tout le monde me demande « C'est quoi ta teinte pour ta rouge à lèvres ?» C'est Givenchy. Ouvert de Givenchy. Bon, alors, le packaging, il est quelque chose vraiment de très spécial puisqu'il est fait en velours. Ça, c'est vraiment le luxe des luxes dans la beauté, puisque j'ai jamais vu une autre marque qui utilise des velours dans le packaging. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Givenchy. On a mon parfum, mon secret, et c'est les irrésistibles. Alors, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que je sors, quand je mets ce parfum, j'ai un succès énorme avec les hommes. Donc, ils sont bien faits à faire cette mélange et l'appeler surtout irrésistible parce que peu importe où j'y vais, j'ai derrière moi tout le mec comme ça. Patricia, c'est quoi Patricia? C'est quoi ton parfum Patricia? Donc les filles, alors il faut pas vraiment sous-estimer le pouvoir de maquillage, de parfum parce que ça peut faire vraiment une différence énorme, surtout si on comprend et on retient que l'amour, il commence par les nez. Et là, on va ouvrir mon petit coffret personnalisé. On a deux parfums. On a l'interdit. Et on a l'interdit eau de parfum rouge. Donc ça, je l'ai déjà essayé. Il est très intense. C'est Mara Rooney qui fait la pub. Et que d'ailleurs, j'étais dedans. Mais voilà, j'étais partie des gens qui sont là comme ça partout. Et après, on a, c'est là que je ne l'ai pas essayé encore. Donc, merci Givenchy. Je pense que déjà, là, je le plein de parfums pour toute l'année. Là, on passe à Tarte. Alors, Tarte, je vais vous dire la vérité. Tarte, elle est une marque, à mon avis, elle est un peu plus commerciale. Déjà, son packaging. Mais il y a quelque chose chez Tarte qui est vraiment incomparable. Et c'est les anti-cernes. L'anti-cerne de chez Tarte, je vous dis, je l'ai commencé à utiliser il y a 3 ans et depuis, c'est vraiment mon produit étoile. Puisque je suis vraiment trop cernée,
ça se voit pas et à chaque fois je l'utilise partout et ça me fait un effet lifting hyper incroyable. Donc ici on a la petite collection simple effective always vegan. Là on va passer à Dior. Et quelle fille elle aime pas Dior? Moi-même, c'est une marque que je kiffe. Alors j'adore Givenchy surtout, mais Dior elle reste quand même un classique français depuis toujours et avec ses parfums Miss Dior. C'est vraiment, je pense que c'est un des parfums les plus vendus au monde. On voit Nathalie Portman qui est l'égérie de la marque. Et voilà, un rêve que j'ai, je pense que ça va jamais se réaliser, mais j'aimerais être égérie de Dior pour quelque chose. Mais bon, pour l'instant, j'utilise ces parfums Miss Dior Chérie. Là, on a un petit cadeau des Galeries Lafayette. Je suis toujours invitée aux journées presse. Sephora, Galerie Lafayette, c'est vraiment très sympa d'aller là parce que tu vas découvrir les nouveautés, lifestyle, beauté, tous les produits maison. Et là, j'ai reçu ce petit packaging où j'ai eu comme cadeau plein de choses sympas puisqu'ils font des collaborations avec des artistes. Il y a des personnalisations, voilà, comme cette bouteille-là, elle est hyper mignonne. En plus, ici, j'ai un petit kit Orive pour les cheveux. J'ai encore des conditionneurs Momo. Comme je vous avais dit, la tendance est vraiment vegan. Donc, on est vraiment sur le verre, le plastique, il est recyclé. Toutes les étiquettes, ça reste vraiment très léger. Je pense que cette tendance, elle va vraiment être de plus en plus remarquable. Puisque toutes les marques, d'une façon ou l'autre, elles vont être, à mon avis, obligées à passer à utiliser ces tendances, ce type de packaging. Et je suis très contente, puisqu'il faut vraiment faire attention à notre planète. On a un petit coffre de Leonard Grey. Cette marque, elle est incroyable, surtout pour les cheveux métis, pour les filles qui ont des cheveux bouclés. Cette marque, elle va vraiment apporter une hydratation incroyable. Ok, on a notre Olaplex, que je pense tout le monde le connaît. C'est les classiques, le numéro 3. On a un petit Moroccan Oil. Alors là, je vous dis, au niveau de cheveux, shampoing, crème, masque, profond, je pense que je suis bon jusqu'au 2023. Et je vous dis, j'utilise énormément de produits. On a le shampoing David Mallet et on a aussi Virtue. Alors, par contre, celle-là, c'est un trésor. Je l'utilise pas trop parce qu'elle est très très chère comme marque. Elle est très exclusive. Mais par contre, elle a une capacité de réparer tes cheveux en 2 minutes. T'es bon quoi. Et on a un petit truc de Christophe Robin aussi. C'est le préféré de toutes les Françaises à Paris. Il est vraiment un expert de la couleur. J'espère qu'un jour bientôt, je vais me faire blondir par l'expert de toutes les célébrités en France. Alors, mes beautés, on continue. Et là, on a Coco Ivy. Là, cette marque, je l'ai vue la première fois sur des influenceuses à Los Angeles, comme Cara Jewel. Je pense que je vous avais déjà dit que c'est un de mes influenceuses préférées. Et je me suis dit, bon, peut-être elle est bien. Et quelques mois après, j'ai reçu le produit à tester. On a les shampoings. J'ai utilisé cette marque pendant mon voyage à Dubaï. Et alors, je vais être très sincère avec vous, comme je suis toujours sincère. Elle est bien, mais je la trouve pas non plus extrêmement efficace. Donc, ça veut dire, elle est en masque, elle va vraiment nourrir tes cheveux, mais je vois pas une différence dramatique. J'adore le packaging, il est très beau, il est très sympathique, mais je pense au moins que pour mes cheveux, jusqu'à maintenant, les meilleurs des meilleurs, il a été toujours Eva New York. Je me souviens de cette marque de rêve que j'ai connue en Beautycon à Los Angeles. Elle a vraiment changé ma vie puisque je mettais un produit comme ça, une goutte, et 5 minutes après, j'avais la soie sur mes cheveux. Et j'ai jamais vu ça de toute ma vie, même Kérastase, même n'importe quelle marque. C'est pas comme Eva New York. Donc, j'espère bientôt être en contact avec Eva New York parce que c'est le rêve de rêve. Donc, alors, Coco Ivy, par contre, ça reste quand même une marque bien, elle est belle, elle est efficace. Je la suggère pour les filles, peut-être qu'ils ne sont pas de cheveux crépus et aussi secs comme les miens. Les filles! Et là, on a vraiment notre haul Sephora. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, je rêve. Alors, depuis toujours, je vous l'ai dit, j'adore la marque Sephora.
C'est vraiment un concept qui a inventé ça et a vraiment tout compris, puisqu'il y a énormément d'e-commerce spécialisés dans la beauté, mais je trouve qu'aucune envoie la vibe que Sephora envoie. Et quand je dis ça, c'est que n'importe quelle femme dans la planète, elle rentre dans son boutique Sephora, elle est perdue dans le rêve. Et c'est là où Sephora, elle cartonne. Là, Sephora, elle a développé sa propre marque où tout le packaging sont incroyables. En fait, c'est vraiment très, très pointu pour les voyages. Je vous montre. Ils font toujours tout dans des petits sacs. C'est hyper facile à utiliser. Ils sont transparents. Sincèrement, je pense qu'elle ne demande rien à autre marque, sauf que peut-être au niveau d'efficacité, il ne va pas avoir de formule aussi puissante comme les marques qu'on connaît déjà, Lancôme, Chanel, Dior. Mais voilà, pour tous les jours, c'est vraiment top. Alors, cette petite merveille aussi, il faut que je vous explique. Alors, mes cheveux, c'est une histoire à part, ok? Et il faut vraiment les soigner d'une façon, puisque je les lisse, je fais la kératine, je fais les mèches, je fais les botox. Alors, il faut vraiment les soigner avec des produits très, très spécifiques. Une fois, je suis partie à la plage sans rien. Trois jours après, j'avais une tête comme ça. Alors, pour toutes les filles, Tangle Twister, c'est vraiment la brosse que tu dois t'acheter parce que ça va éviter vraiment que tu casses tes cheveux. Donc, pour toutes les filles, pour toutes les femmes, si tu as les cheveux bouclés, lisses, blondes, rouges, noires, peu importe, cette brosse, elle va vraiment changer ta vie. Et je l'assure et je te le promets. Donc, quand je parle d'un produit, c'est pas juste parce que voilà, je reçois énormément de cadeaux, c'est vraiment parce que je veux conseiller le meilleur pour toutes les filles. Parce que je vais éviter à toutes les filles voilà, de dépenser votre argent à n'importe quoi et tout. Donc, ça, c'est un must pour tous les jours. Alors, autre chose que j'adore, sont tous ces petits kits que Sephora elle fait. Ils sont vraiment très intelligents. Bravo à la team marketing. Vous êtes incroyables parce que pour toutes les filles, voilà, qui peut-être ils comprennent pas trop leur routine beauté ou comme il faut faire, ils te font ça déjà après. Donc, tu arrives à la maison, ils font ces petits kits Sephora Glow où tu as tout à voir. Donc, j'essayais déjà les sérums et ça, c'est incroyable. Alors, avant, j'étais vraiment très sceptique au niveau des pierres. Je me disais, mais comment ça va être qu'une pierre, elle va vraiment te déteindre les dents? En fait, ça marche. La tendance, il a commencé avec les washa et là, tu peux le mettre vraiment en roller et ça va tout changer puisque c'est une espèce comme si les quartz ou la pierre, elle va enlever les mauvaises énergies de ton visage. Moi, je le vois comme ça. Tu vois, quand tu as une mauvaise mine ou que tu es triste ou que tu es vraiment très fatiguée, ça suffit que tu passes un peu ça. Et hop, tu vas avoir l'air d'avoir dormi 24 heures, d'être en vacances. Voilà, ça marche. Alors, en tout cas, ça marche. Et on a un petit kit ici avec l'huile acide hyaluronique qui marche aussi très, très bien. C'est idéal pour le mettre avant de se maquiller. On a un cadeau de Sephora Collection. Sephora Collection, c'est pas la même chose que Sephora. Sephora Collection, ça va être vraiment la haute gamme de Sephora, de leur ligne Sephora Beauty. Donc, on a aussi le produit pour les cheveux. On a les Hair Hydrating Mask et on a le Cleansing Scalp Scrub. Et ça, je l'ai utilisé, mais par contre, d'autres marques, Briogeo. Et je vous dis, c'est vraiment incroyable. C'est un peu comme si tu faisais un scrub dans ton corps. Ça va enlever toutes les toxines. Je ne suis pas fidèle, je n'utilise pas toujours les mêmes shampoings. Donc peut-être parfois, ça peut faire un peu de confusion. Et le scrub, ça va vraiment nettoyer tout en profondeur. C'est une espèce de rituel qui est encore, voilà, c'est vrai, il a compris qu'il faut faire. Et ils m'ont envoyé ce petit coffre pour prendre soin de mes cheveux. Good is the new efficient Sephora collection et c'est pour ça que j'adore Sephora parce qu'ils font des trucs incroyables comme ça. On fait ça, je l'ai pas ouvert non plus. C'est un coffre des rêves de la marque Sephora. Ça j'ai reçu pour Noël parce qu'on voit tout le packaging, il est hyper festif. C'est un petit calendrier.
Ça m'a fait la peine de le détruire. Je suis ce type de personne que je n'ai pas envie de détruire les cadeaux, même si j'ai trop envie de les ouvrir. Mais... Ok, on va faire les 6. Sont tous les petits packaging de produits. Comme ça, tu peux utiliser un produit par mois. Et là, Fenty Skin Fat Water. Oh my God. Ah! Alors, je vais ouvrir. Oh my God, girls. I enjoy this. Je kiffe. C'est vraiment mon kiff depuis que j'étais petite. Donc, c'est vraiment un kiff pour moi d'avoir accès à tout ça. Vous pouvez pas imaginer. Ting, ting, ting. Bon, on a notre calendrier. Voilà. Tous les produits, on a déjà fait les 6. Là, on va faire les 10. Alors, les 10, qu'est-ce que c'est les 10? The Good Fight Clear Skin Mini Mask. Oh, Sephora. Alors, sincèrement, les filles, si tu es aussi obsédée comme moi pour le maquillage, s'il te plaît, je veux que tu m'envoies un message, soit sur YouTube ou soit sur mon Insta, Patricia Gloria Contreras, et je veux t'envoyer un cadeau. Parce que vraiment, je veux kiffer à tous les filles qui me regardent avec tous ces produits d'arrêt. Alors là, on passe à une marque de parfum qui s'appelle Kilian. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez déjà ou pas, mais là, on est vraiment rentré dans le heaven de parfum, comme on peut dire, dans le top de parfum. La première fois que j'ai essayé Kilian, c'était il y a 2 ans. Ils ont fait un dîner incroyable à la Pérouse à Paris. Et depuis là, je suis restée vraiment obsédée déjà avec leur parfum Good Girl Gone Bad. Et c'est un parfum très intense. Moi, je suis scorpion. Je vous dis, toutes mes copines qui sont scorpions, ils ont le même parfum. Et là, ils sont faits Roses on Ice. C'est une merveille. Je l'ai amené avec moi en vacances. Oh my god, je peux avoir un orgasme, mais vraiment quoi. Oh my god, j'adore les parfums. Vraiment, je suis la fille que dans ma toilette, je vais avoir 30 parfums et tous les jours, j'adore d'utiliser un nouveau parfum. Bon, bref, c'est vraiment mon kiff de kiff. Merci à toute la team parce que aussi, j'ai reçu ces petits coffrets avec la pochette. Il n'y a pas que la pochette, on a les rouges à lèvres à l'intérieur. Ils sont hyper parfumés, ils sont vraiment très très luxueux dans le packaging et aussi dans leur parfum. Ils sont un parfum un peu à la vanille. Et quand tu le mets, c'est vraiment la soie quoi, la soie qui glisse sur tes lèvres. Oh mon Dieu. Ok, là j'ai reçu ce petit cadeau de Fenty Beauty. Là en fait c'est Fenty Skin et c'est le pre-glow parce que Riri elle est très intelligente et donc elle va sortir du produit chaque saison pour vraiment prendre le marché au max. Et là on a les pre-show glow. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais testé, alors il faut que je teste déjà pour vous dire voilà s'il marche ou pas. Mais c'est vrai que Fenty aussi, ils sont très intelligents à faire toujours des produits dans des différents packagings ou des différentes façons de présentation. Puisque, on va dire qu'un Restore Facing, je l'avais déjà essayé, mais c'était plutôt un masque blanche ou un masque à l'argile. Donc, je veux voir le résultat de Fenty Skin. Là, on va continuer avec la marque Patika. Là, c'est une petite marque, et elle est française. Jamais essayé, j'ai reçu ce petit cadeau, mais pour l'instant, je n'ai pas essayé encore. Il a eu un prix pour le meilleur sérum, donc apparemment, il doit être quelque chose vraiment des au-delà des au niveau des qualités des formules. Alors, on a la crème remodelant jeunesse et on a le sérum répulpant fondamental. Alors, déjà, les noms. On comprend que là, c'est vraiment des très sophistiqués puisqu'elle parle vraiment des rides comblées. Raffermir la peau, sérum fondamental, advanced serum. Donc, c'est pour ça que je le conseille vraiment, soit pour les filles qui ont un vieillissement
prématuré, voilà, parce que parfois tu peux avoir même 25 ans, mais ta peau elle est vraiment très âgée, ou soit pour les femmes 45 au-delà. Je vais utiliser ça et après je reviens vers vous pour vous dire voilà le résultat que j'ai eu avec Patika. On a un petit cadeau de Princesse Tintin qui, pour les filles qui adorent la fraîcheur, fine fleur. Donc on a un petit t-shirt horrible, violet. Merci. Après on a une petite culotte en fleur. Elle est idéale pour l'été. C'est vraiment la culotte que tu peux porter au sud, à Saint-Tropez ou à la Côte d'Azur, Cannes, Monaco. Elle est très mignonne. Et là, on a notre soutien-gorge qui aussi, il est hyper frais et mignon. Et quelque chose que je dois dire, c'est que en France, peu importe les choses que le marque font, ça reste toujours vraiment très très féminin et jamais vulgaire. La prochaine marque, on a Fragile Cosmetics, c'est une marque italienne et qu'elle a fait son lancement déjà voilà, en Italie et après en France avec un de mes meilleurs amis. Il est en charge de la communication, donc j'ai reçu un joli coffret et tout le produit de la marque. C'est une marque qui a été faite à Bari, donc les produits sont vraiment, comme je l'avais dit, la tendance. Encore, elle est vraiment hyper bio, le packaging c'est de papier recyclé. Et je ne l'ai pas essayé encore, donc voilà, Compatica sont des marques, ça reste à voir vraiment les résultats sur moi. Mais déjà pour les packaging, j'imagine que ça doit être quelque chose hyper naturel. Tous les produits sont vraiment des combinaisons très très naturelles pour vraiment illuminer les cheveux en profondeur. Et ça, je vous dis, ça change beaucoup quand tu vas utiliser une marque qui est très chimique. Par exemple, je vous donne un exemple, non? Kérastase, elle a beaucoup de silicone, elle est très bien, mais elle ne va pas vraiment nourrir tes cheveux en profondeur. Que par contre, Nashi, elle est une marque qui va vraiment utiliser des produits très naturels et la fibre capillaire, elle va être vraiment hyper nourrice. Donc, je vous dis, les filles, il faut vraiment faire attention au moment que vous achetez votre produit parce que le packaging, le marketing, c'est quelque chose, mais après la formulation et la façon comme les produits sont faits, c'est une autre. Donc, voilà, je conseille, en tout cas, peut-être de faire un peu, mais si tu veux vraiment une différence, il faut choisir. Donc, quand j'ai commencé ma chaîne, je lançais un concours avec Sephora où quelqu'une de vous avez gagné un coffre énorme de nouveautés. Donc, je veux répéter la même chose. Donc, pour toutes les filles que vous avez envie de tester, de savoir comment ça marche, d'avoir des conseils, même sur des autres sujets dans les domaines de la beauté, alors n'hésitez pas à écrire sur YouTube un mail à Patricia Gloria Contreras ou envoyer un message sur mon Instagram perso.